Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, ravi de voir que certains se lancent à mettre quelques petits mots. Faut pas être timide. N'hésitez pas. Hop, je finis mon échauffement. Comme promis, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter deux petits sujets qui ont, dans les deux cas, pour moi en tout cas, comme thème le côté fun et plaisant de coder. La première chose que je vais vous montrer, c'est alors c'est quelque chose qui va être d'actualité quand même, mais qui est plutôt basé sur mes années au lycée avec un petit, alors je sais pas comment appeler ça, c'est pas vraiment un défi, mais une espèce d'activité collective qui est partie d'un tweet que je vais vous présenter et qui est plutôt basé sur d'anciens codes. Et de l'autre côté, je vous montrerai, comme j'en ai parlé l'autre jour, je voulais refaire un petit tour de la galaxie MechCode, vous montrer un peu ce qui existe, et surtout vous montrer un petit bout de Arcade MechCode que je trouve génial. Donc, c'est parti. Je vais commencer par vous montrer le tweet qui a déclenché mon envie de reprendre des choses assez anciennes, vous allez voir. Donc c'est quelqu'un qui repart de deux livres assez anciens. Faudrait que je regarde les dates exactes, mais ah bah, je crois que c'est marqué dans le tweet en dessous. Voilà. Un premier livre qui est sorti donc dans le début des années 70, et puis qui s'est retrouvé en réédition complète en 1979, et qui aujourd'hui est un livre informatique avec du code qui a été vendu à 1 million d'exemplaires. Donc c'est quand même assez rare pour le souligner, en tout cas. Et j'ai encore oublié une fois de plus, j'en suis désolé, hop, d'aller couper mes braves petites notifs, voilà. Le principe de ces livres, je vais vous montrer tout de suite, mais juste la démarche donc, de la personne, c'est de trouver que ces livres, qui étaient des livres qui servaient à apprendre, alors à coder en l'occurrence en basique, et qui permettaient d'écrire des jeux, des jeux en mode texte, hein, finalement, à l'époque, il n'y avait pas d'autre choix, des petits jeux de cartes, des petits jeux, vous allez voir, des petits jeux de hasard. Et de ressortir ces livres pour proposer de dépoussiérer un peu la version basique initiale, d'avoir un basique fonctionnel pour à peu près tout le monde et qui puisse servir à l'apprentissage de ces bases, et surtout de proposer à qui le voudra de contribuer à un immense repository qui va contenir des versions dans plusieurs langages. Donc je vous mettrai évidemment, comme d'habitude, les liens. On va essayer, l'autre fois ça avait l'air de marcher au fur et à mesure. 7 minutes pour la notif. Ah ouais, c'est carrément long. Hein. Moi, j'ai fait un tweet aussi. Hein. T'étais au courant, Bitbox. Hein. Fais pas le mec surpris. Hein. Donc, hop, je vous mets le lien sur le Discord où il y a toute la discussion. On verra, il y a des gens qui se sont lancés comme des fous là-dedans. En même temps, vous verrez la démarche, on voit qu'ils ont contacté les auteurs. Bah oui, tu mangeais V-Box, tu mangeais, mais moi je ne mange pas, alors je démarre. Donc la démarche des différentes personnes là, qui se sont lancées, ça a été de tout de suite, bien sûr, même si ce sont des livres très anciens, hein, qui j'imagine ne sont même plus édités et plus en vente, mais de contacter les auteurs pour avoir leur permission, et ils ont eu effectivement la permission dans la série entre les tweets et le discours, vous pouvez avoir des détails. Et puis la partie plus concrète, eh bien, ça a été de créer un repo sur GitHub avec donc proprement détaché chacun des exemples de code dans un petit répertoire à chaque fois. Alors, vous voyez, actuellement il y en a 96. Donc le livre s'appelait Basic Computer Games. Il précise qu'aujourd'hui, il y a des répertoires qui ont été créés pour un certain nombre de langages, mais il y a déjà d'autres langages que je ne connaissais pas d'ailleurs qui se sont greffés dessus. Hein, par un système de pull request, chacun peut proposer. Et il donne quand même quelques petits objectifs en précisant que, ben, effectivement, ce sont des jeux qui datent des années 70.
à la fois en termes de la conception qu'on avait de ce qu'était un jeu avec un ordinateur, il y avait aussi les limitations, le mode console, un certain nombre de choses de ce type-là. Et il précise qu'il faut bien considérer tout ce petit projet-là, ce petit projet, mon Dieu, cet énorme projet, comme une espèce de source pour avoir des exercices pour des cours, des ateliers dans le cadre d'un apprentissage de la programmation avec différents langages, mais que ça soit un petit peu sympa et fun. Donc ce sont des jeux. Donc ils disent de ne pas chercher à aller plus loin ou à améliorer ce qui avait été fait à l'époque, mais de rester dans le cadre de ce qui avait été fait avec les limitations. D'utiliser la version la plus récente des différents langages, mais de ne pas non plus s'enflammer avec des fonctionnalités trop avancées ou des façons de coder qui seraient peut-être obscures. Voilà. Et si je vous montre, parce que chaque répertoire c'est quand même intéressant, on va se retrouver. Alors dans la discussion, ils expliquent le basique précis qui est utilisé. C'est un basique qui est installable de nos jours. Hein. Il y a une version qui a été testée. Il y a quelqu'un qui a donc fait une répartition en répertoire pour chacun de ces petits exercices, a fait une version de basique récent qui fonctionne pour que tout le monde puisse avoir une idée de ce qu'on doit s'attendre. Et dans la foulée, il y a à chaque fois un lien. Tac, si je vous le montre là, voilà. Avec, vu qu'il y a l'autorisation, le scan de la page d'origine, telle que c'était présenté. Donc pour ceux qui n'ont pas connu ça, voilà, moi j'ai appris à coder avec ce genre de livre ou dans les magazines où on avait des listings qu'on allait retaper. Hein, c'était notre seul moyen de fonctionner. Donc il y a un petit descriptif, il y a, voilà, et puis il y a le code. Donc là, comme vous pouvez le voir, je dis il y a d'autres langages. Je ne connaissais pas le langage Raku, par exemple. Donc voilà, c'est très bien. Et là-dessus, ce qui s'est passé, donc je crois pas qu'il soit connecté. Si je reviens au. Alors je vais pas avoir la source ici. Il y a plusieurs personnes qui se sont lancées. La plupart de ces jeux sont aussi codables sur des machines beaucoup plus vintage. Donc je sais qu'il y a. Donc c'est les personnes qui sont fans des machines de chez Sharp de nos années lycée. Et moi, je vais voir, mais je pense que. Voilà ma vénérable, ups, que je tiens à l'envers, ma vénérable Casio 850P, FX 850P, à qui j'ai fait un petit peu, j'ai commencé un petit peu de nettoyage interne et j'ai surtout remis les piles. J'ai encore un petit souci, il y a une espèce de sécurité avec, il faut bien plaquer, voilà, tac. Et quand, voilà, quand je le mets en route, je peux vous montrer ça. Alors ça va être compliqué. À l'envers, on va y arriver quand même. Je vais le taper comme ça, sinon je vais pas y arriver à l'envers. Hop. Problème, c'est que ça, j'ai un problème d'interrupteur. Évidemment, j'ai fait ça tout à l'heure. Et là, ça ne veut plus. Voilà, en gros, j'ai un souci sur la tranche ici, là. J'ai un petit contacteur qui vérifie qu'on ait bien vissé le capot à l'arrière et ça a pris du jeu. Et je perds le lien avec le truc. Enfin bref, tout ça pour dire que ça se programme en. C'était un basique hein, qui était à l'intérieur avec plein de limitations, évidemment. Mais moi, je pense que je vais me lancer à essayer de refaire un peu quelques-uns de ces programmes. Et oui, la carmousse du jour, forcément, j'en fais une par jour. Mais ça m'agace quand même, j'ai testé genre 10 minutes avant. J'ai remis des piles parce que je savais qu'elle était propre et que ça allait fonctionner. Et elle m'a fait ce petit caprice là, j'y crois pas. J'ai un problème de toute façon, mais ça sera l'occasion de regarder de plus près. J'ai un problème à la fois de là, visiblement d'interrupteur, de contacteur, et j'ai de toute façon une ligne de pixels sur la première ligne qui est pas complètement morte mais qui est très très atténuée. Donc. Il va falloir que je remédie aussi à ça. Et surtout, je suis curieux parce que, j'ai pas trouvé grand-chose pour l'instant pour la Casio. C'est plus riche côté Sharp. Il y a quand même moyen d'avoir des espèces d'éditeurs externes qui permettent de préparer son code avant et puis de le balancer dans la machine après. Puisque j'en avais parlé. Oui, c'est Bonaldi, c'est l'effet Bonaldi. Mais il y a l'effet Carmouse aussi pour d'autres. L'intérêt. Hop, s'il veut bien faire la mise au point, je suis un peu dur avec lui. Voilà, évidemment pas. Il voit ma main en premier, c'est pas assez épais. Désolé. Ça pour vous dire que on va pas y arriver hein, si on le devine. Voilà,
Il y a un port qui est utilisable, qui, je me rappelle, faisait la joie des transferts de cours. Chacun tapait un chapitre du cours et on se le transférait les uns les autres par un système en série. Ah bah, je vois qu'il y en a d'autres qui ont. Bah moi il démarre, hein, le Casio démarre. Alors, ton Canon ne démarre pas, bah écoute, toutes mes condoléances, j'espère que c'est réparable. Donc entre-temps, nous avons Number 80 qui est arrivé, bienvenue. Un Canon X07 pour Charles. Bah écoute, j'espère que tu arriveras à le redémarrer. Donc ouais, moi j'espère que j'arriverai à faire. En tout cas, ça me fait bien rigoler de voir que ça a été lancé. Je vois qu'il manque d'autres langages. C'est pas dit que je m'en serve pas moi aussi pour mes petits exercices de certains langages que j'utilise juste par curiosité, pour savoir comment ça fonctionne. Refaire une version, je sais pas, en Go, en Rust, peu importe. Donc voilà, c'était la première chose que je voulais vous montrer, qui date de la période où j'avais, par exemple, fait un petit jeu. Donc j'ai deux lignes sur cette machine, mais avec deux lignes, on arrivait à faire des courses aléatoires, bien sûr, des courses de chevaux. Donc on pouvait parier sur tel ou tel cheval, on faisait courir 4 chevaux, 2 par ligne. Voilà, c'était peut-être ridicule à l'époque, mais nous on s'éclatait vachement avec ça. Hop, que je vois quand même vos commentaires en même temps. Donc la seconde chose que je voulais. Alors, je voulais revenir sur ce que j'avais dit lundi aussi. J'ai trouvé la page. Attendez, avant. Je vais aussi vous mettre l'adresse du repo GitHub, qui finalement est très complet, puisqu'il y a un lien sur le discours, il y a le récapitulatif des objectifs, d'où ça sort et tout, donc c'est pas mal. Et l'autre lien que je vais vous mettre, puisqu'il y en a qui étaient curieux de savoir tout ce qui existait dans la galaxie MechCode. Ouais, mais j'avais pas de sauvegarde. Là, c'est un port série sur, en tout cas sur la Casio, c'est vraiment un port série. Tu lui mets du texte, il se met dans un certain mode et il sait écrire dans une banque mémoire en fait. Donc, je vais retrouver ce mode-là et le but ce sera de pousser. Je ferai un adaptateur et comme ça, je taperai mon code sur un vrai clavier à côté et je le pousserai sur la Casio par le mode série. Mais on y reviendra parce que si j'arrive à bien la faire fonctionner et que je fasse cet adaptateur, ça fera bien sûr l'objet d'émission. Donc pour la Galaxy MechCode, je vous ai montré l'autre jour l'éditeur Microbit, c'est celui qu'on a utilisé. Il y a un équivalent pour tous les produits, alors là c'est sur Circuit Playground Express, mais en fait ça marche avec d'autres aussi. Il y a un éditeur qui fait le lien, alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut le Minecraft de Microsoft, hein, il y a une sauce un peu particulière, mais en tout cas il y a un éditeur visuel qui permet de faire des choses liées à Minecraft. On a une version. Qui est dédié à la brique Mindstorm, la version EV3. On a le charmant petit robot Q que j'ai failli, bien sûr, à plusieurs reprises acheter. Rien que pour le look, je ne dis pas que je finirai pas par craquer à nouveau. Je reviendrai en dernier là, sur Arcade, je vais vous montrer plus précisément. Et là, c'est les. Je sais pas comment on peut qualifier ça, enfin, c'est les devices des cartes de chez Chibi Chip. Je vous conseille d'aller regarder Chibi Chip, c'est assez. C'est assez marrant ce qu'ils font. Et puis en dessous, il y a des versions qui sont plus dédiées si on veut l'installer sur Windows. Mais bon, voilà. On va venir sur Arcade MechCode. Mais quand même, pour que vous sachiez, il y a encore plus de versions. Il y a notamment une version. Alors, c'est dans la partie labo parce que c'est pas encore supporté de la même façon. Mais le maker, là, l'éditeur maker, qui est sur l'adresse maker.makecode.com. Je l'ai déjà utilisé, fonctionne avec beaucoup de cartes. Tiens, je vais peut-être vous le montrer celui-là, il est intéressant aussi. Ça permet de coder sur toutes les plateformes que vous voyez là. Donc il y a énormément de cartes de chez Adafruit, il y a beaucoup de cartes de chez Arduino, des cartes de chez Sparkfun. Donc c'est d'autres microcontrôleurs que la Microbit. Et ça s'accompagne de petits tutos avec des schémas assez visuels. Donc c'est pas mal, c'est vraiment bien fait aussi. Et après il y a d'autres trucs plus délire. Hein. Donc la base c'est parce que ils disent que c'est dérivé MechCode, mais le vrai projet, la base dessous, c'est PXT. Voilà, on a d'autres cartes plus exotiques, de la réalité augmentée, voilà, des produits Calliope, qui est un dérivé je crois allemand, équivalent de la carte Microbit. Attention vos oreilles, je vais éternuer. Ah
Eh ben décidément, je n'ai pas éternué sur Jazz, ne soyez pas inquiet, on n'est pas dans la pièce aujourd'hui. Donc voilà, des gens qui utilisent pour faire d'autres trucs, là il y a Tortue, il y a quelqu'un qui fait une espèce de logo visiblement dérivé de ça. Donc voilà, et celui que je voulais donc vous montrer un petit peu plus en détail, alors là, hop, je vais vous faire la totale. J'avais fait une petite série il y a quelques temps. Je vous laisse hein, délirer sur vos fréquences, codage de bits, y a pas de souci hein, avec vos fréquences sur le Canon X07. Jolie machine si je me rappelle d'ailleurs ça. Non, je vais pas commencer à racheter des machines. Donc j'avais fait une série de vidéos sur ma chaîne YouTube consacrée à Arcade Make Code. Donc ça se lit, enfin ça se lit. Ça se regarde assez vite si vous avez quand même quelques petites bases, mais ce qui est intéressant, c'est que dans chaque... On va aller par exemple sur celle-ci. Dans la description, j'ai utilisé une fonctionnalité dont je vous ai parlé l'autre fois, hein, qui permet de générer un lien pour chaque application. Donc c'était vrai aussi pour la carte microbit, mais là en l'occurrence c'est pour Arcade. Ça se présente de cette façon, sous cette forme. Donc là, on a. Donc ça marche aussi, j'ai vérifié sur les tablettes et téléphones. On a juste la partie simulateur avec le programme qui est chargé derrière et ce qui a été dedans qui fonctionne. Donc là, c'est une des étapes où il n'y a pas encore les animations des gens, par exemple, mais le personnage se déplace, il peut sauter. Qu'est-ce que je vois? C'est une grosse feinte, on peut continuer de sauter. Tout n'est pas codé à chaque fois, je fournissais des idées de prolongation, mais il devait y avoir la fin du jeu quand même. Voilà. Donc il y a tout le jeu. On peut choisir de regarder le code. Donc on va voir l'éditeur sans pouvoir le modifier. Ça, c'est juste pour jeter un œil rapidement. Voilà, il n'y a pas le simulateur, il y a juste le code. Et sinon, on peut l'éditer, c'est ce que j'ai fait là. Et donc voilà, c'est un langage de type bloc, hein, bien sûr. Mais qui permet donc de développer ces petits jeux vidéo. Donc là, pour l'instant, je peux vous montrer uniquement la partie avec le simulateur. J'ai pas. Ça mériterait quand même aussi que je prenne le temps de sortir toutes les petites consoles compatibles que j'ai à la maison. Est-ce que j'en ai sous la main? Évidemment non. Je vous refais le coup de l'autre fois. Ah là là là. Surtout que j'en ai encore une à monter. C'est-à-dire que ce principe-là de Arcade Make Code répond à des conventions assez faciles. Le simulateur est implémentable de plein de façons. Et il y a donc des devices basés sur des microcontrôleurs qui sont entièrement compatibles. Notamment, il doit y avoir la petite console de chez Adafruit, la Pi Gamer, qui a un mode qui est compatible. J'en ai d'autres, des toutes petites, faites par des makers qui fonctionnent très très bien. Et aussi très intéressant, Adafruit a permis d'utiliser, ils ont ce qu'ils appellent un bonnet, qui sont les petites cartes d'extension sur les Raspberry Pi 0, les petites Raspberry Pi. Et en combinant ces deux engins, vous obtenez une petite console compatible avec les jeux. Vous pouvez en avoir toute une série. Il y a un menu qui permet de lister tous les jeux. Et vous pouvez directement vous brancher la télé sur la télé en HDMI. Et il y a un joystick sur l'extension en plus. Donc vous pouvez jouer directement sur votre télé à tous les jeux que vous aurez fait avec Arcade Make Code. Donc voilà. Pour l'avoir essayé alors, avec Mixteen, mais surtout sur les salons où on était allé, genre quand on faisait la Geek Touch pendant la Japan Touch, c'était assez rigolo de coder des jeux avec des enfants, de leur montrer comment ça fonctionnait. Ça permet de démystifier un petit bout. Alors, si en plus on a le device, c'est encore mieux. On leur montre concrètement ce que c'est une console, vraiment ce qu'il y a à l'intérieur pour qu'ils arrêtent de croire que c'est magique. Ensuite, on leur montre qu'un jeu, c'est une logique, mais qui peut être relativement simple. Là, il y a déjà beaucoup de choses, hein. On a un personnage, un ennemi, des déplacements, il y a la gestion des collisions, qu'est-ce qui se passe si on a une collision avec un ennemi, qu'est-ce qui se passe si on ramasse un objet bonus, faire une arrivée, enfin, il y a vraiment tous les concepts, la gestion des ressources, parce que ce que je ne vous ai pas montré, mais c'est que quand vous avez ce genre de ressources graphiques, vous avez un éditeur qui est intégré, qui permet ici de dessiner, de faire du pixel art. Bon, il y a aussi des méthodes pour récupérer des galeries où moi j'avais eu fait aussi avec le logiciel Azeprite qui permet
de dessiner directement en mode comme ça en pixel art, qui est assez pratique. On peut récupérer les assets. Voilà, et là, on vous montre tout ce que vous avez utilisé dans le jeu, que ce soit les différents sprites de personnages, de bonus, ou ce qui est utilisé pour faire les fonds, ou même ici, là, c'est une structure qui représente les niveaux en fait du jeu. Comment on définit voilà, un plan avec des tuiles, ils appellent ça, donc un tile set en anglais, qui permet de définir ben, l'univers dans lequel on se déplace. Vous voyez là, si on regarde là, chaque couleur a un code qui est défini par un sprite à côté. Donc là, le rose, c'est le sol, j'ai les plateformes d'une couleur, j'ai les objets bonus d'une autre. Les ennemis, je les place de manière par code, hein. Et puis là, par exemple, là, c'est la ligne d'arrivée. Donc c'est assez facile de faire un petit jeu d'arcade, faire un petit shoot'em up, des choses comme ça. Donc voilà. Et pour Patrice, qui est tellement fan de tout ça, il y a aussi la possibilité, bah tiens, j'ai jamais essayé depuis que j'ai fait tout ce jeu comme ça, de basculer en mode Python ou JavaScript. Si, si, ça fonctionne toujours. Donc en plus, vous pouvez développer en Python votre jeu. Et voilà, je trouve ça. Moi, je trouve ça extra, toute cette famille. Autour des produits, la dérivée de MakeCode, il y a vraiment des choses super sympas à faire avec ça. Donc voilà, je voulais vous parler de l'ancien et du nouveau. Donc j'espère que ça aura une fois de plus donné envie à certains d'entre vous de recommencer certains de vos projets. Je suis désolé, je sais que vous en avez trop. Désolé Bibox, désolé Charles de vous avoir donné envie de ressortir votre Canon X07. C'est la vie, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de raison de laisser comme ça. Si ça marche bien cette histoire de Casio là, je pourrais même montrer ça dans une vidéo un peu plus détaillée. Mais j'aimerais vraiment avoir ce petit connecteur là, par port série, parce que c'est. Je reconnais que là, comme vous avez vu tout à l'heure là, sur le clavier, quand on bascule dans le mode, alors on peut taper directement avec l'un. Alors c'est un clavier QWERTY d'ailleurs, hein, pour la petite histoire. À l'époque, ça posait des problèmes à personne. Hein. Et autrement, c'est tout avec la touche Shift. Mon doigt, c'est l'autre, voilà, celui-là. Avec la touche Shift, et puis on a les instructions sur la partie clavier en rouge, là. Des print, des input, des clear. Donc voilà, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je pense que je me fendrai. C'est pas non plus, comme vous avez vu tout à l'heure, des jeux qui font des centaines de lignes non plus. Hein. C'est gérable, mais je pense qu'il y a un petit côté fun là, qui me dirait bien une fois que j'aurai réparé. Non, non, ça pose pas de problème les claviers QWERTY. J'ai rien contre les claviers QWERTY. J'ai jamais franchi le cap pour une raison toute bête, c'est que à côté de ça, j'écris pas mal. Et en QWERTY, je trouve que c'est. J'ai essayé plusieurs formules, mais c'est jamais génial, génial d'avoir toute la bonne accentuation quand vraiment on veut taper du texte et pas du code. Pour du code, je trouve que c'est même plus pratique le QWERTY. Il y a quand même beaucoup de. Les accolades, les parenthèses, les choses comme ça qui sont quand même beaucoup plus faciles d'accès. Je vous en parle même plus. Maintenant, je suis avec un clavier Mac et là, je trouve qu'ils ont fait vraiment fort comme anti-ergonomie pour faire du code, pour faire les crochets carrés, les square brackets là. Quand on code, il faut appuyer sur trois touches à chaque fois. C'est formidable. Je me mélange à chaque fois en plus. Donc, non, non, j'ai rien contre le QWERTY, l'AZERTY, le ce que vous voulez. Mais c'est juste que ça me fait rigoler quand je vois des super petites machines tirées en petites quantités. Et ça hurle, je pense notamment à certaines machines qui sont présentées sur le site Mini Machine, qui sont des jolis petits portables ou des choses un peu originales. Et les gens râlent en disant « Ah, si seulement il y avait une version AZERTY ». C'est quand même oublié que ben, quand on était au lycée, c'était les meilleures bécanes qu'on pouvait avoir à l'époque et on était super contents. Et le QWERTY, c'était pas un souci. Donc quand on a envie, je pense que ça ne pose pas de problème. Donc voilà, aujourd'hui je vais pas trop déborder. J'ai pas mal de choses à côté sans vous cacher le fait que j'ai pas mal de taf. Mais bon, c'est très bien. Donc voilà, j'espère que bah, ça vous a plu. Je suis ravi que certains claviers Beppo. Bah, c'est pas si horrible que ça le Beppo. Je suis ravi que certains aient pris un peu la parole aujourd'hui. N'hésitez pas. Hein, d'abord, c'est sympa de dire bonjour, moi ça me fait plaisir. On reparlera là. J'ai vu passer un article ce matin qui était relayé, un article du Monde sur les gens qui font des Twitch sans personne ou avec peu de monde. Moi, ça me convient super bien et ça me permet après de garder une trace de toutes les choses que je souhaite partager avec un maximum de monde. Et tant pis s'il y en a que je sais pas combien vous étiez aujourd'hui, peut-être
une dizaine, non, un peu moins peut-être. Ça me va très bien, j'ai trouvé assez condescendant le ton de l'article dans Le Monde, comme si on utilisait Twitch uniquement pour aller faire de l'argent et de l'audience et de je ne sais quoi. Moi, c'est surtout pour partager tout ça avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. On fera un débat là-dessus une prochaine fois. Amusez-vous bien, ne soyez pas sage et Patrice, contacte-moi pour qu'on fasse une interview de toi rapidement. Salut!